Salut, c'est Axel, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le 31e épisode du Compte Hardcore. 115 victoires, une défaite pour le moment en ladder. Et on continue à avancer. Ici, on va récupérer quoi ? Quelques petites boules de feu qu'on ne joue pas. On va ouvrir tout ça. Du géant, du gobelin, Osef. Du PK, des gargouilles, Osef. Tout ça, c'est pas très important. Et bah écoutez, c'est un petit peu tout ce qu'on avait. On a récupéré assez de gobelins pour les augmenter. Ça, c'est parfait. Et je suis en train actuellement de demander à des archers pour essayer de les passer niveau 11. Voilà, j'ai récupéré pas mal de gold, donc ça, c'est cool. Bah écoutez, on est parti. Hein. 115-1 pour l'instant. Franchement, je stresse de plus en plus à jouer mes games. Je stresse de plus en plus sur ce défi. Surtout que là, on va approcher de l'arène 11 dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? On va split ça. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ok. On va envoyer ça, du coup. Ok, parfait. Oh, il en a mis deux du même côté. C'est parfait pour moi. Allez, je casse le shield. Ah, oh, zut. Allez, le bon petit zap ici, ça devrait suffire. On va pas investir plus. Mon PK ici, il est mort de toute façon. On sait qu'il a les gargouilles, donc ça c'est une bonne nouvelle de savoir ça. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment essayer de garder un petit peu notre bébé dragon pour mettre en sneaky juste derrière un PK quand il dira « Ah bah tiens, le PK vient juste de traverser ». On peut l'envoyer. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre ça. Ah, c'est chiant ça. On va mettre ça. Voilà, pour attirer. Ici. Ici, petit. Voilà, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Le gang trop tard. Parfait. Ok, double prince, du coup. Il est sur du double prince, sorcier. Ok. On va mettre quoi ? On va mettre ça. Voilà, ça va gérer les gargouilles. Tranquillement. Et il va envoyer quoi là? Il va nous envoyer un prince ténébreux probablement. Bon, il va nous mettre un prince ténébreux, donc on va mettre ça. Ou un sorcier. Un sorcier, il venait pas juste de le jouer, le sorcier? Ah non, my bad. Non, il venait juste de jouer un... Ouais, on va envoyer ça là-bas, tout au fond là. Hop là. Ça rend des dégâts, ça force un mini PK. C'est bien parce que là, en fait, on va avoir le gros PK pour gérer déjà ces deux-là. Ça, c'est parfait. Plus, ok, bah si tu veux, je vais pas envoyer un gang, hein, ça sert à rien, mec. Hein. Ok, oh le bon poison. Alors là, il est mal là quand même. On va mettre ça en plus. On va envoyer ça ici. Sans doute un prince. Il va nous mettre un prince derrière ou non? Ok, bon, parfait. Ça me va. Ouf, mec. On agresse, on continue d'agresser. On envoie. Allez, hop. Oh, on lui a désossé son prince. On va mettre ça parce qu'il va mettre peut-être la horde de gargouille, non pas du tout. Vite. Aïe, c'est du 3 couronnes. Oh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de 3 couronnes, on est reparti, 116ème. Et bim, parfait. Ouh, ça c'est bon ça. C'est une vidéo qui commence bien avec 3 couronnes. Allez, on essaye de débloquer le coffre à couronnes sur cette vidéo là. Il en reste 4, il faut au moins qu'on fasse 4 en 3 games. Ok, c'est un niveau 10, et on doit être aux limites de l'arène 11, probablement. J'ai pas du tout regardé. Bon, c'est pas très grave, de toute façon. De toute façon, notre objectif reste le même. Ok, bah là, on va pouvoir lui mettre un gros PK. Alors, ah ouais, lui, il s'est pas pris la tête à base de « Vas-y, est-ce que je split ou pas ?» Non, il a pas splitté du tout. Bah écoute, toi, moi, t'es... Moi, tes mousquetaires, je les split à coup d'épée. Hein. Bim, tiens. Oh, il va prendre tarif son truc ici. Allez, hop. Oh là 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 là. Oh, j'ai Véco. J'aurais peut-être dû... Vite. Ah, zut, j'aurais dû mettre un zap, franchement. J'aurais dû mettre un zap tout à l'heure, juste avant que mon PK meure, pour que mon PK, justement, survive. Ça aurait été pas mal. Bon, après, je suis quand même très très bien. Oh, ces triples mousquetaires étaient très moches. Ça lui fait perdre 9 d'élixir. Hein. Et le problème, c'est que comment vous voulez-vous vous relever d'une perte de 9 d'élixir? C'est quasiment impossible. Allez, viens dire bonjour à papa. Et bim. Ok.
On est bien là, on est bien. On va mettre ça. Je vais peut-être être un petit peu trop lent. Ouais, je suis un petit peu trop lent. Ah, j'aurais dû... Je pense que le poison est plus rapide quand même. C'est con parce que là, je vais me mettre dans la merde. Parce que mon PK va être loin pour son prochain triple mousquetaire. On va rester quand même sur un objectif de couronne là pour l'instant. Putain, mais il m'en veut, tu vois. Tiens, allez, prends-toi ça plus un zap. Je sais pas trop. Ça fait quoi? 4, 5, 6. Ok, vas-y. Fais-toi plaisir. Allez, hop là. Tu nous envoies ton bélier aussi, là, s'il te plaît? Non? On voit pas le bélier. Okay. Et bim! Ça me va. À l'assaut! Oh oui! La pression sur sa tour! Oh, 4 archers, c'est parfait. Oh zut! Oh, je suis trop con. Bon, je me suis un petit peu enjaillé là. Hein. Bon, après, on a genre rien à craindre, tu vois, mais. Salut toi. c'est tellement bon quand même les coups de PK comme ça. C'est assez impressionnant. Hein. Quand ça one shot des mousquetaires comme ça et bim bim bim. Ça fait plaisir. On est du coup sur 117. Et c'est pas mal. Deux couronnes. On a eu notre objectif. Et bim. Arène électrique. Ça c'est bon. C'est ça qui est bon, archer magique et zapiz. L'archer magique, je sais pas si on le jouera, si on l'a. Et les zapiz, c'est sûr que non, ils seront beaucoup trop longs à monter. Et on enchaîne. Pouh ! C'est bon ça ! Niveau 10, on joue contre LOL. Très bien. Très bien, moque-toi. On va voir le gang. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait rien. Vas-y, on va split le gang. On verra bien. On a déjà récupéré un élixir. Ça va être un petit peu tard. Le deuxième, peut-être. Ok, j'ai gardé le deuxième. Vite. Oh, zut. Ah, zut. Oh, si j'avais été plus réactif. Oh, ça aurait été tellement fort si j'avais été plus réactif. Quoique, le zap aurait peut-être reset l'aggro de la tour sur mon gobelin. Donc, peut-être ça aurait pas changé grand-chose. Ok, là, c'est bien. J'ai mon PK. Écoute, tiens, regarde. On va dire d'abord bonjour au bourreau. Puis après à ton PK, à ton Mega Knight. Ah, ça c'est chiant ça. Bien wesh. C'est pas grave, on va quand même le gérer, mais on a perdu notre PK. C'est pas très très grave. J'aurais pu envoyer un mineur peut-être. Je suis pas pressé de dépenser mon élixir pour l'instant. Là, salut toi. Allez, on va lui mettre un tout petit peu de pression quand même. Sur sa tour, profiter un petit peu de ce dragon. Ça lui a forcé des flèches. Est-ce que c'était vraiment gênant pour la suite? Est-ce que c'était vraiment important de lui forcer des flèches? Alors là, j'ai absolument rien. Oh bah voilà, j'ai absolument rien pour contrer son cochon. Ah oui, quand vous en êtes à faire un mineur défensif, c'est que franchement, c'est pas la fête. Ok, on va se remettre là. Et au final, il nous a bien embêté son cochon. Ok, ça me va. Ça là. Allez, un premier poison ici. On va avoir assez d'élixir de toute façon pour envoyer le PK, pour envoyer également le zap quand il y aura besoin. Voilà, tiens, bien joué avec nous. 1000. Oh merde, j'aurais dû l'envoyer avant pour profiter de mon archer. Zut. Oh, c'est pas grave, on fait des très très bons dégâts à cette tour-là. Non, on va pas faire la poison, ça sert à rien. On va se mettre comme ça. Salut. Ah oui, viens par là, toi.
Ok, parfait. De toute façon, c'est pas grave, on rattaque du bon côté. Je vois vraiment pas ici comment il peut gagner, hein. Sérieux. Là, s'il gagne, je mange mon caleçon. Hop là. Bon, ça, je prenais pas un trop gros risque. C'est passé. 115, 118. 118 victoires. Une défaite. Et on est à une couronne de récupérer un prochain coffre. Et c'est cool. Ah bah écoutez, on est parti. Écho. Écho, écho, écho. Bon. C'est tendu, hein. Parce qu'on va réussir à refaire un épisode sans perdre. Décidément, là, du cochon, on en bouffe, hein. J'aime pas ça. On est parti sur une grosse dépense, là, d'élixir. Ok, ça force un zap, c'est bien. Ça compense un petit peu l'élixir que j'avais dépensé un petit peu. Donc c'est pas mal, on a notre cabane qui travaille, c'est très bien même. On est pas si mal en fait. On va mettre ça, tiens. Ça va me permettre d'avoir un petit gobelin derrière. Alors ça va être chiant la sorcière par contre. Parce que forcément le PK il aime pas trop la sorcière. Hein. On le connaît ce diable de PK. Tiens, regarde. Encaisse un dash, toi. Tiens, viens faire des bisous. Ça me va. Ça me va. Hop là. Allez, allez, rentre des montes. Un bon coup. Vite. Bim. Un deuxième. Oh, c'était un petit peu ambitieux, le deuxième. C'est dommage. On va mettre ça, ça va prendre l'aggro tranquillement. Hop, tiens. Hop là, et l'agression. Ok. On est bien, on est quand même très très bien. Est-ce que je vais avoir mon PK ici? Oh non, il dash. Oh, je pensais vraiment pas qu'il allait dasher là. Là pour le coup, je pensais vraiment pas qu'il allait dasher. On va essayer d'avoir des bonnes anti-aériennes pour gérer ça. Tout à l'heure, il nous a mis quoi? Ah oui, tout à l'heure, il nous a mis la Valkyrie. Hein. Oh oui, c'est bon, ça! Non, c'est trop tard. Trop tard, Alexandre. Ah, t'as mal joué. Je me parle beaucoup, quand même. Hein. Bon, de toute façon, vous en serez rendu compte que ça m'arrivait assez régulièrement de me parler. Hop, voilà, on va mettre ça là. Hop, c'est parfait ça. On va rajouter ça. Allez, c'est l'armada là. Ah, le zap est beaucoup trop tôt, Alexandre, beaucoup trop tôt. C'est pas très grave, notre mineur va être efficace. Oh oui! Allez, on pousse, madame. Allez, c'est trop tard ça. Mais ouais, voilà! Ouh, 119! 119, 1! C'est bon ça! C'est bon, encore un épisode tranquille. Tranquille plus ou moins, c'est de plus en plus difficile. On débloque une quête, lancer les sorts, c'est parfait. On débloque un coffre en or, on débloque un coffre à couronne. Et bah écoutez, c'est un bon épisode, on va trouver quoi là-dedans? Bah écoutez, on ne trouve rien d'intéressant. Pas très très grave, on va récupérer 46 cartes, 46 squelettes, c'est pas grave, ça nous permet d'avancer un petit peu. Ces deux quêtes là, je pense qu'on pourra les ouvrir. Alors celle-ci, elle devrait se faire au cours de la semaine avec les coffres cadeaux quotidiens là. Celle-ci, elle se débloquera la semaine prochaine, donc ça c'est cool. Est-ce qu'on va réussir à débloquer le coffre magique? Je suis pas sûr, on verra ça dans un prochain épisode. J'espère que ce 31e épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et moi je vous retrouve très très bientôt, semaine prochaine pour le prochain épisode, et sinon de toute façon demain pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye.